Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 827, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, texte biblique à l'appui, nous allons répondre à la question suivante. Comment le chrétien doit-il marcher? Ou bien, quel est le caractère de la marche du chrétien? Nan Colossiens, chapitre 2, le verset 6, apôtre Paul enseigne chrétien youn nan premier bagay ke li dwe konnen. Tendez bien, zami mwen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. En 1 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 12, l'apôtre Paul a conjuré ou bien a prié constamment le chrétien pour le marcher d'une manière digne de Dieu. Ce Dieu qu'il a appelé en tant que sujet à son royaume. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 1er, apôtre Paul a dit chrétien que sa marche avec Dieu doit correspondre à la qualité de l'appel reçu de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Zami mwen, nous espérons que vous déjà comprenez très clairement. Votre manière de marcher, votre conduite, l'important en pile pour le Seigneur. Maintenant, on commence par le commencement. Nous devons prendre la décision entre la chair et l'esprit selon quel principe nous devons marcher. Apôtre Paul répond-nous dans Galates chapitre 5 verset 16. Marchez selon l'esprit. Et c'est vrai. Nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pour nous révéler toute la volonté de Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité. Et comme nous sommes chrétiens, ça veut dire monde qui aime bon Dieu, l'apôtre Jean, dans sa deuxième épître, au verset 6, nous invite à marcher selon les commandements de Dieu. Et oui, zami mwen, ça c'est une preuve. Dans la qualité de l'amour, nous gagnons pour le Seigneur. Et apôtre Paul, dans Éphésiens 5, verset 2, l'élargit cadre davantage pour le dire nous directement, marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça t'a dit très certainement, chrétien pas capable de marcher même gens avec païen. Ou songez Éphésiens 4 le verset 17, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et si c'est vrai, les réalités de ce monde veulent troubler ou dans façon à marcher ou bien ou manquer force, 2 Corinthiens 5 le verset 7 invite nous en tant que chrétiens à marcher par la foi. Et non par la vue. Et même Jean bon Dieu tire les peuples Israël là pour marcher, nous aussi. Selon Ésaïe 2, le verset 5, le Seigneur nous appelle à marcher à sa lumière. Réalité a li clair, ami moi. Et logique là, li simple. La qualité de notre marche dans le temps doit être différente de la qualité de notre marche d'aujourd'hui. Parce que Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 dit nous, autrefois, nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et par conséquent, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Si ça t'arrivait ou t'ablier en pile dans le commandement, mon Dieu, dans l'évangile là, apôtre Paul, dans Philippiens 1er, verset 27, lui résume bagala pour même. Seulement, marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et pour capable motiver chrétiens davantage, l'apôtre Jean, dans sa première épître, le chapitre 2, le verset 6, rappelez-nous. Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché lui-même. Zami mwen, nous espérons que vous comprenez très bien. Bon Dieu sauveur là pas d'accord ou marcher n'importe façon. Gen quelque conduite n'est pas du tout conforme à qualité appel qu'on joigne en tant que chrétien.
Le Seigneur trace très clairement mode de conduite qu'on doit gagner en tant que chrétien. Tant pris, zami mouen, fait tout ça dépend de vous-même. Mande bon Dieu force avec aide-li pour capable marcher, j'en le mande. Et nous-mêmes, n'a prié par bon côté, pas nous pour vous-même. Pour le Seigneur capable fort marcher, même Jean l'apôtre Paul t'a prié pour chrétien Thessalonique, l'an 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. Marcher de progrès en progrès. Amen. À la prochaine.